Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un curry de lentilles corail. Chez nous, on appelle ça du paloupou. 250 g de lentilles corail. Un demi-oignon coupé en morceaux. 3 cuillères à soupe d'huile. Une petite cuillère à café de cumin en poudre. Demi-cuillère à café de curcuma. Du sel pour le goût. Une petite pincée de graines de moutarde et une petite pincée de graines de fenouil. Prévoir à peu près 800 ml d'eau. Rincer plusieurs fois les lentilles à l'eau jusqu'à l'obtention d'une eau claire. Moi, je les ai rincées 3 à 4 fois. Maintenant, dans une casserole, je mets les lentilles. Je verse la totalité d'eau. Pour l'instant, je n'allume pas la plaque. Je verse le curcuma, puis je mélange le tout. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, c'est-à-dire le curcuma et les lentilles, j'allume le feu, température élevée pendant les 5 premières minutes, puis diminuer légèrement le feu. Alors, durée de cuisson, à peu près 20 minutes. Si vous voyez que pendant la cuisson, ça chauffe de trop et qu'il y a trop de mousse, n'hésitez pas à diminuer la température ou sortir pendant quelques secondes du feu. Si vous voyez que vous avez trop de mousse et que ça monte, vous avez la possibilité de les retirer à l'aide d'une cuillère et de les jeter bien sûr. Ou bien de remuer de temps en temps, comme ça. En attendant, dans une casserole, je fais chauffer de l'huile. Une fois que l'huile est bien chaude, je verse les graines de fenouil et de moutarde, puis les morceaux d'oignon. Je vais faire revenir l'ensemble pendant quelques minutes. Là, je vois que les morceaux d'oignon sont bien dorés, donc je vais arrêter le feu et je vais mettre ça de côté en attendant les lentilles. Là, on voit bien que les lentilles sont bien cuites. Comment on peut savoir? C'est parce que vous voyez que ça a changé de couleur et aussi au toucher, ça s'écrase. Voilà. Maintenant, il est temps de mettre la poudre du cumin et le sel. Voilà. Je vais mélanger le tout, puis je coupe le feu. Là, il reste un peu d'eau, c'est normal. Les lentilles finiront par les absorber. Sinon, pour moi, c'est presque terminé. Là, il est temps de rajouter notre préparation d'oignon et les graines de moutarde et fenouil. Je mélange le tout et voilà le travail. C'est terminé. Allez, entre 20 et 22 minutes en tout. Et voilà le travail. Le curry des lentilles corail est prêt.